Voilà, Congo, diaspora, vous avez branché connecté dans www.congodialogue. Maman Francine Ngueme de la Belgique, situation à réfugiés et comme micro-critique. Toza, Libosoawa, Nengazab et confrontation, tu es bien venu dans la police, Yango et Zareyel. Mbila et Kiti et Bengani Batou, Nazana confrère, Nanga, papa, comment ça va? Oui, ça va. Ah, maman, vous avez donc Mbila, si finalement, va décider, va bien venir. Voilà, situation est allée à Mbila, à Yako Brusque Batou. Mbila et Brusque Batou a décidé que bah étranger bah qui immeuble en otage. Ok. Alors bah soi disant bah na ordre et outil na côte. Alors ordre on a une que bah c'est bah qui bah tout ça y a un côté. Bah Vegla qui bah tient non bah vous qui de la réunion na bah leader na visio. Mais l'homme est crédit de 30. Bah qui ne concerne la réunion moko. On a pour informer bah on sait qui va passer. Alors dans la grande surprise na tonga lelo. La police a eu la masse. Il faut évacuer, il faut canabat, il faut brutaliser, il faut abasser. Donc, il faut sous Sikoyo, il faut voir même Sikoyo, il faut porter disparu. Ma parent a eu la masse. Alors, ils allaient dans ma maman, ils ont eu la masse. Ils ont eu la masse. Ils ont eu la masse. Ils se retrouvent dans la police station. Donc, ils ont eu la surprise, ils ont eu la masse. Bah réfugié. Oui, à se prendre bah réfugié. Après ça, il y a un warning, il était que non, les locaux paraître les là. Alors, dans la grande surprise, à se prendre bah bateau, il est au moins une situation de Rosa qui s'est passée. Ah ouais. Quand on se balade, micro, on a besoin de téléspectateurs, les amoureux à Congo Dialogue. Moi, je suis Bolo à l'international. Faut pas présentation à votre Bolanda aussi. Ouais, comment on a Ngonda? Je suis sur la chaîne YouTube Ngonda TV toujours. Donc, tout ça, on a des besoins de mon tout ça, on a besoin de la carte. Comme le moment où mon massacre s'est passé, tout
to bande ko lala to ya ki awa pa papa na biso to koko na biso oyo babengi atier achien gaza papa za oyo akadwa ka ba refugie aza oyo atala ba refugie katika ta mboka ya ba monde entier mais le loto za circuit gouvernement sud-africain tindi ba soda ba ko sala massacre ba beti ba bali na bango ya kautuana bana babungi to ki moko za na kata kufi mais bali ko pesa information vraie te ba zipiki gara mutu ango na to yebite mais tu passes bimi ga akufi donc to yebite tala ba mama ndenge bazole la tala bana ba pandi biloko ba refugie ba boyinyo so ba beti ba refugie ba pota ba kwaza awa donc yangwana to lembi to moni initiateur, il y a mouvement Oyoto, il y a rassemblement, ainsi de suite, au papier Soukami. Il n'est pas une victime. La minute, il y a une image. Côté na kata ven ya ba la pour ya ba policier ce qu'on a mis dans la police station qu'est-ce qui ne va pas azaku na ven de ba keneti na minute azala la police ba kangi bango les deux leaders ngé ba kangi bango bazaku na ba kangi papa Jean-Pierre là ingénieur Papi Soukan o ba sala leader o ba sala ki sitting o pour ba réfugié ba kangi bango bazaku na to obité dans ba massacrer bango ko beta o ba beti bango donc to obité mais l'une des raisons au mi la kitia o ezapo pour balobi que immeuble oyo ba business c'est ça la mara suko ba business c'est ça la mité moi ba futa immeuble ça te ba bengani bino non et toza kuna te i don't care toza kuna te parce que acher a futa la ka to yena nda kuna biso to yena ambassade ya ba réfugié acher za papa acher za koko donc to yena nda kwa koko na biso acher nda za koko na biso to ye ko kimele pa na e même ba futa la ka même ba te ka tel biso te le temps que acher za ka wana biso pe to tika te to za la ka awa. Yeah. Message européen dans la diaspora bazola na biso président na biso Fachi Biskazo ka biso ministère na biso intérieur ministère de sécurité ambassadeur na biso message européen na minute parce que situation la critique sont elle bazo boire la blanquette ba boire biloko ba congolais ba na minute na police station ba kangi ba message on a pesa na bande ko nga surtout diaspora o ezwa mi na monde ou diaspora ou ezwa mi na kati ya Congo to na Kinshasa na tout l'étendue à province ya RDC basa la quelque chose parce que ba sud-africain les a première fois te ba bandango lelo te masako ba ntine depuis 2008 ti lelo ba ya na ngokaka eza lelo te masako ba ndi eza lelo te xenophobie ba ndi lelo te moni mbila anteni ndi aosa na masakre oyo po message on a pesa na ba pepe nyonso bango pe ba s'en charger na sud-africain oyo baza na mboka total a bango te to banga bango te peme na bango ni total a bango te ba toni sami ana na ba Vodacom bazo sala ba business na bango muta ki pa bango azate mais awa refugia sala li soute refugia koma donc to koma mali repite na nyonso wana so moni makambo lelo tele mi pona ba congolais eza pona ambassadeur wana ambassadeur usogi mpoku sogi mpoku yem tu pa luki nyonso oyo na ndeni ah oui a luki nyonso a passer un message clair balobi ke biso to za ba trafic d'homme to za ka ba tu to yela ba na nzela ya ya makolo tito ko tsa ba na South Africa mais belé na Congo na to kimi pona problème a kabila le loba tu ba loba ke oh nini ba mona oh ezo salema donc to za na loko loba te message eza kaka ba se prendre pas charge na gouvernement sud-africain. Voilà, merci beaucoup. Ça c'était mon confrère. Frère Loko Lobezali. Loko Lobezali. Ah, Zandel. Ingeta, Ezali Moko, Yaba réfugié dans la carte d'Afrique du Sud. Et Loko, Ngana Koloba, ceux qui n'ont pas de Moko Boye, Ngana Boye, Ngana Lobi, Ngana Obima. Mais maman ou papa, Kolo Lopango, Azoye Bissanga, Inatika, Lana Obligatoire. Et ça normalité. Tozolo Ngwa Afrique du Sud, parce qu'Afrique du Sud, Ezali, Finabiso, Tozana, Safeté. Tozolo Ngwa Yamo. Ramaphosa a signé bisoto le moyen retour au Sengayango en Essili papa. Ah, voilà, merci beaucoup cher internaute Bami branché connecté à la diaspora au Boza na Congo dialogue. Tout ça sur le terrain awa situation ça koinda, c'est vraiment un moment critique et puis chaotique. La police sud-africaine, nous avons prévenu que le samedi, la semaine passée, nous étions venus faire le reportage, vous dites qu'il y a une confrontation. Vous n'avez pas cru, mais aujourd'hui, ils ont appliqué cela. C'est presque la fin du mois. Les gens de l'immeuble ont accusé, réfugiés caisse pour dire que Bazouk a empêché de faire ça les mains. Nous continuons toujours le reportage pour voir la réaction. Il y a certaines mamans, certaines familles, n'est-ce pas? Ils ont perdu leurs histoires. Bayagi Benapuna réfugie Awa. C'est le temps. Yeah. Voilà, comme vous voyez dans les images ici. Mmh.
Donc vous remarquez, la police est envahie. La police est là. Ouais. La situation est là. Les policiers sont là. La semaine passée, nous étions de l'autre côté. La blanquette, nous sommes sur les bandas, les valises. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus se réfugier effectivement ici devant le bureau des HR. Ils se sont décidés à vendre jusqu'à ce que HR ait posé la solution pour quitter ce pays. Donc comme vous remarquez, chers téléspectateurs, voilà, law enforcement, il y a des voitures, avec un ami Tukanabango. Il parquait là-bas, il dormait là-bas presque 3 semaines, presque 1 mois. Alors aujourd'hui, la police s'est décidée d'évacuer tous les histoires. Donc comme vous voyez, mais toujours, les Congolais sont là en train de dire, de réclamer, ils disent ne veulent pas quitter. Ils disent que l'Afrique du Sud, c'est un pays xénophobique. Les chaînes télévisées sont là. Papa. It's clear. And they ask all the proof. And we give them all the proof. And what you are demanding is not secret. We have rights to demand that. But because the government is full of corruption, they are trying to cover all those issues because they don't want to look bad outside. So UNCCR here office, they run away from us. Can you imagine? As a refugee, you go to a refugee camp center and refugee run away from you. So what government did? Call the police. Call, brutalize us, abuse us. Our voice is our power. It's the only thing we can use to let the world know our pain. But what they are trying to do here, they are trying to shut us, our mouths. So tell us that is right. Has anyone been heard during the clashes with the police this morning and throughout the duration of your protest? Many. Like today, there were many. Even one of my friends. From Kenya, his 14-year-old child called Mary. He was brutally beaten by him. 14-year-old child. And another child from 1 year. He fell injured very badly. They have no heart. Even right now I'm talking. They pack all of them in the van. They tell them how you can fight with someone who don't have gun when you come with a gun. We have no guns. We have no weapon. Our voice is our power. But they come with the guns to stop us. So tell us how we can survive in situation like this. Voilà. Vous avez remarqué, cette femme ici vient de Kenya. As you've noticed, she's from Kenya. She's just complaining and claim that they have been threatened by the police so that they may take them away from this place. We are covering this place as you see. Some of the cars been parked here. Les gens dormaient ici. Passaient la nuit avec la voiture. Alors la police est obligée d'évacuer toute cette voiture ici pour aller le cacher, je ne sais pas où, dans les police station, dans le traffic department, de façon que les propriétaires puissent venir. Parce que la manière la voiture est restée ici, on sous-entend que les gens dormaient ici. So it's not only about the Congolese, it's about Kenyan, it's about Burundi, it's about Rwanda, it's about Bangladesh, it's about many nations that are feeling safe before, but now they're unsafe. They decide to leave this country. So, chers téléspectateurs, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour toutes les nationalités, comme vous remarquez. They clash, there is clash between the police and the refugees who are camped here. Alors, si nous approchons, vous allez remarquer la voiture est là. Je crois que c'est pour un réfugié. On est tenté de le prendre et ça peut partir. Voilà. Quand nous racontons des langues, vous comprenez que les Arabes sont là-bas, Congolais, garantis. Bon, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est là que les réfugiés restaient. That's where the refugees were staying. They are taking all their blankets, everything. On les ramasse tout. Et ils disent qu'ils vont partir. Ils doivent quitter aujourd'hui. Donc, finalement, le sit-in a pris fin aujourd'hui. Makamba Osang, ça va réfugier. Na 4e maison, bureau HR est fini. La police s'est décidée autrement. Law enforcement, le gouvernement s'est décidé. Parce que le propriétaire de l'immeuble est accusé, le bureau des HR, disant qu'ils ne sont plus en mesure de faire rendre leur business. Et maintenant même, il fait évacuer tous les blancs, comme vous remarquez.
À qui appartient les mousses, à qui appartient les blanquettes, nous ne savons pas jusque-là. Mais sur ce qui est vrai, est qu'il n'y a plus personne là-bas. Comme vous remarquez, il n'y a plus personne. Les amis de diaspora, à l'intérieur, à ce hôtel, il y a une image à Kala. C'était ici, tout au long de ce couloir ici. Alors dans ce couloir ici, il y a beaucoup de business, beaucoup de magasins, beaucoup de bureaux opérés. Mais depuis que les réfugiés se sont décidés pour venir ici, le business ne fonctionne plus comme avant. Et nous nous approchons vers la fin du mois, vous remarquez que le business n'est plus comme avant. Voilà, ma voiture est au Bima, les voitures sortent. Je ne sais pas qui sont les propriétaires de ces véhicules ici. Ils vont seulement juste aller, voilà. Donc, bah, est vraiment la mission, la police est vraiment la mission pour évacuer tout le monde. Donc voilà, chers téléspectateurs, ce qu'on a voulu vous rapporter aujourd'hui. Il y a toujours la présence de la police ici. Alors pour clean, nettoyer, flash out, pour que les business, les affaires, les bureaux, l'opération reprennent comme d'habitude. Et je vous signale aussi, le chairman Papi Souka Miki, l'initiateur de ce sit-in, est arrêté. We are here inside the van of the police. Look at this guy, look at this guy. Look at this guy. Look at this guy. Look at his face. Look at his face. They put guns inside here. No one can press. We're inside the van here. This guy is going to pray, man. My friend, there's someone is dying here, Mus. They don't care. Someone is dying here inside. There is gas. Everywhere there's gas. We can't press. Vous allez remarquer dans les images, brutalement, selon. Ils s'étaient surpris de voir la police na gaz, il y a des blessés, comme vous remarquez dans les images. Donc voilà un peu Boloanata avec mon confrère qui est derrière la caméra pour vous faire voir ce qui se passe actuellement à Cape Town, en Afrique du Sud. People, the overview of the world, you are connected to Congo Dialogue. We are here in the middle of Cape Town where the refugees had their sitting for almost a month. Now the government decide with the owner of this building, Waterford Accord, they decide to make clean everything here. Voilà, comme vous remarquez. Donc, nous prenons des risques pour être là sur place, pour vous reporter, comme madame nous image n'est le cas. Donc, c'est vraiment difficile. Nous sommes dans une situation chaotique. Nous sommes dans une situation chaotique. Il en a talk. Voilà. Oh yo. Ok. Voilà, ils n'ont pas le choix, juste évacuer. Et même les voitures, parce que de ceux-là qui sont venus avec les voitures, la famille, les familles ici pour rester ici, disant que l'HR doit trouver la solution pour les évacuer d'un pays, ils n'ont pas précisé si c'est Canada ou les États-Unis. Mais ils se sont dit qu'ils doivent quitter l'Afrique du Sud par rapport à ces mouvements xénophobiques. Ils disent que l'Afrique du Sud, c'est un pays xénophobique, ils ne traitent pas bien les étrangers et finalement, ils se sont décidés de quitter. Voilà, toujours José Bolois pour vous servir. Out of your own free will.
Mie seso. Da? Brate, din seso. Même un policier, que